En réalité, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est trop fréquent aujourd'hui de voir des jeunes filles exposer leurs corps, je, je veux dire, leur nudité sur les réseaux sociaux. Et ça devient de plus en plus fort, je veux dire, trop fréquent. Mais à premier regard, on attaque ces filles. Oui, c'est vrai. On doit les attaquer parce que ce n'est pas digne d'une femme. Une femme, c'est... Je sais pas, mais... Ce n'est pas digne d'une femme. D'une vraie femme, ce n'est pas digne d'une vraie femme. Mais laissez-moi vous dire que moi, je vais attaquer ceux qui regardent ces vidéos. Ceux qui partagent ces vidéos. Ils regardent les vidéos. Les partagent. Aiment et commentent ces vidéos. C'est vous qu'on doit attaquer. Parce que si... Ce tasse continue, je, je veux dire, si ça persiste de nos jours, c'est ce, c'est ces abonnés qu'on doit taquiner. Parce que, je ne sais pas, mais, on dit aujourd'hui que les réseaux sociaux, on peut s'en sortir facilement avec les réseaux sociaux. Vous êtes d'accord avec moi que, on peut gagner, on gagne beaucoup d'argent. La personne ne sait pas ce qu'elle va faire pour gagner cet argent. Elle pose, une vidéo d'elle, tout nu. Je ne veux pas dire tout nu, mais un peu nu. Et, et la vidéo explose avec des vues, des j'aime, des commentaires et des partages. Et elle veut gagner d'argent. Et vous allez me dire qu'elle ne va pas continuer à faire ses vidéos. C'est à vous. C'est vous qu'on doit taquiner. Prenons l'exemple tout simple. On dit aujourd'hui qu'un prêtre ou bien un homme chrétien a fait une vidéo et une fille a fait une vidéo tout nu, Qui aura plus de vues et de j'aime, de commentaires, de partages en une heure Dites-moi la vérité. Dites-moi la vérité. Disons-nous la vérité. D'autres vont dire que lui, il raconte quoi. Je sais, je raconte des bêtises. Mais laissez-moi vous dire que c'est vous. Les abonnés, ceux qui partagent ces vidéos, ceux qui commentent, aiment ces vidéos, c'est vous! Vous êtes à la base de ça! Et après, ils diront que, non, je peux pas laisser mes enfants regarder ce qui se passe sur, je sais pas, sur les réseaux sociaux, tout ça, tout ça. Alors que c'est vous! J'espère que vous avez compris. Nyama, à tout à l'heure.